Chers concitoyens, bonjour. Je suis Adrien Amat et je suis candidat aux élections présidentielles. Au risque de vous choquer, est-ce que vous savez qu'on vous prend plus souvent pour des cons que pour des citoyens? Citoyen, ça ne signifie plus rien. Rien du tout. Et c'est bien la place qu'on vous a laissée ces dernières années. Rien. Une virée à droite, une virée à gauche, ça fait des décennies qu'on vous manipule avec légèreté. C'est vrai que c'était sympa au début, on avait l'impression de faire partie de quelque chose, il y avait un mouvement auquel on pouvait s'accrocher. C'était le bon temps. Il leur manquait le principal, la domination. Alors ils nous ont créé une nouvelle peur efficace. Ils ont inventé une guerre. La guerre, mesdames, messieurs. Elle est venue s'installer jusque chez nous. Et même entre nous. Avec la peur, on peut en faire passer des choses. La surveillance, la souveraineté de l'État et de la police. La peur est aujourd'hui l'argument de chaque parti. Une peur construite de toutes pièces. Et puis il y a eu la crise. Au départ, elle ne concernait que les boursicoteurs. Mais vu le potentiel de fuite des banquiers, elle est vite venue s'installer jusque dans nos foyers, nous privant nous-mêmes ou nos proches d'un travail honnête. On ne les compte plus, les gens qui sont morts à cause de ces deux fléaux. Alors ils ont créé des lois. Mais pas pour les concitoyens que nous sommes. Juste pour eux. Pour protéger leurs fesses bien assises sur leur trône, pendant que nous, on rame. Mais le pire, messieurs, dames, vous savez ce que c'est? Le pire dans tout ça, c'est ceux qui vous promettent de tout faire pour redevenir des citoyens comme avant. C'était bien avant, hein. Mais pensez-vous, ils sont encore plus pourris qu'avant et ils vous prennent pour des cons. Je n'ai pas peur de le dire, ils vous prennent pour des cons. Vous n'en avez pas marre? Moi, sincèrement, j'en ai plein le dos. Si j'ai voté il y a quelques années, c'était pour élire un programme en lequel je croyais. Aujourd'hui, vous devez voter pour éviter le programme le plus fallacieux. Mais nous ne sommes pas dupes. Ce système, comme ils disent, ils en font tous partie, de près ou de loin. Alors voilà, messieurs, dames, on a un constat plutôt alarmant pour le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme. Messieurs, dames, chers concitoyens, osons sortir du système, osons être libres. Mon programme est simple et repose sur des valeurs de liberté. Pour une économie prospère, nous proposerons une fiscalité zéro et des démarches de création d'entreprises facilitées, un entrepreneuriat libre et sans contrainte. Nous ne voulons pas être dépendants des banques. Nous voulons l'abandon de l'euro pour une monnaie électronique décentralisée, des marchés autonomes et compétitifs. Nous favoriserons les circuits courts et la consommation locale en limitant les intermédiaires. L'agroécologie sera mise en valeur ainsi que les médecines alternatives. Pour l'aménagement des territoires, nous voulons une libre organisation des espaces en fonction des réalités locales, plus proches des citoyens. Pour le bonheur des foyers, les démarches d'adoption et de PMA seront simplifiées. Nous revaloriserons le rôle des parents et la transmission de savoir. Enfin, la sécurité sera l'affaire de tous. Les citoyens doivent se réapproprier la justice. Bientôt, mesdames, messieurs, l'Europe nous enverra notre liberté. Merci à tous.